de revenir une deuxième fois. Et merci pour l'intérêt et l'engouement que ça suscite, que suscite cette deuxième thématique. Ce sont deux thématiques importantes dans la vie d'une promotion immobilière. Alors, avant de lancer les débats de cette conférence, je voudrais d'une manière très succincte présenter M. Bakhchish Aboulkrim Siddir. Alors, consultant en administration en gestion de la copropriété, il est formateur et de surcroît, il est agent immobilier. Et dans cette, dans cette lancée, il va animer une thématique des plus importantes. Alors, les mécanismes du transfert de gestion du promoteur-vendeur aux organes réguliers de la copropriété. Sur ma droite, M. Issat Ekhdef, administrateur des biens immobiliers agréés par le ministère de l'Habitat, et auparavant, il était élu à l'APC de Béjaïa. Et aussi, il va animer une conférence des plus importantes sur les charges de copropriété et leur financement. Très vite, je donne la parole à M. Issat Ekhdef, en effet, de nous éclairer et surtout de dissiper tous les amalgames concernant la gestion de la copropriété. Merci. Tout d'abord, Azouf Laouen, la semaine Laouen. Je tiens à remercier l'association des promoteurs immobiliers de la Wilaya de Béjaïa de nous avoir invités et de nous donner cette chance de faire cette communication. Anida, on va ici de donner une communication sur la copropriété d'une manière générale. On va toucher un volet qui est les charges de copropriété et leur financement. Donc, on souhaite vraiment une très bonne chance pour l'association des promoteurs de la Wilaya de Béjaïa, la réussite de ce salon, de cette cinquième édition, à qui on souhaite la centième édition. La communication pour les invités, nous inviter, nos confrères. Donc, avant de commencer, donc, Adna Varchouya, concernant la copropriété, quand on dit la gestion de la copropriété, il y a ce qu'on appelle un règlement de la copropriété, Nidam Milkiel Mushtaraka. Donc, Meredini, le règlement de la copropriété, c'est un document annexé toujours un logement chez un promoteur immobilier chez l'État, toujours dans l'acte de vente INES. Il est toujours annexé d'un document qui est très important, ce qu'on appelle le règlement de la copropriété, Nidam le Milkiel Mushtaraka. Donc, le règlement de copropriété, c'est un document fondamental dans la vie de la copropriété, constitue le contrat du départ entre la collectivité des copropriétaires et les copropriétaires qui souscrivent obligatoirement à l'ensemble des clauses du règlement de copropriété, lesquelles deviennent opposables aux copropriétaires dès qu'ils sont souscrits par acte notarié, autrement dit, lorsque l'acquisition des lots. Le règlement de copropriété qui définit l'organisation et le fonctionnement de l'immeuble est rédigé toujours par un notaire, s'impose aux copropriétaires et occupants. Appliquer le règlement, ce règlement de copropriété appliqué toujours par l'administrateur désigné par l'Assemblée générale des copropriétaires. Le règlement de copropriété fixe aussi la destination de l'immeuble. Les règlements de copropriété sont établis dès la naissance de la copropriété. Cependant, les dispositions législatives et réglementaires évoluent régulièrement comme exemple. Mais les règlements de la copropriété, donc concernant la réglementation qui régit l'ordonnance numéro 75-58 correspond au 26 septembre 1975 du Code civil. Le dernier décret exécutif, numéro 14-99. Donc, le choix du thème sur les charges de copropriété et leur financement n'est pas arbitraire. Il se justifie par le fait que ces derniers, les charges, représentent
à notre avis, la base sur laquelle repose la réussite de la gestion d'une copropriété. Autrement dit, si le taux de charges recouvrées est élevé, la copropriété est en bonne santé, et si le cas contraire, donc on la considère, la copropriété, en difficulté. Donc, on va poser une petite question. Quelles sont les charges de copropriété? Un copropriétaire, un occupant, ou bien un locataire qui habite dans une copropriété, il va poser une question à Dino. Quelles sont les charges de copropriété? Et à quoi elles servent? De chuter. Parce que les gens, quand ils payent les charges, ils vont demander au copropriétaire les charges. C'est quoi les charges? La définition des charges de chuter. Les charges de copropriété, c'est l'ensemble des éléments et des dépenses qui vont permettre le bon fonctionnement de l'immeuble. Les diverses charges incombant aux copropriétaires et occupants se répartissent en deux catégories. Il y a les charges de copropriété. Il y a deux types de charges. Les charges de première catégorie inhérentes à la gestion courante et aux menus réparations des parties communes. C'est ça la définition, les charges de première catégorie. Les charges, il y a deux types de charges. L'un des charges première catégorie, il y a des charges deuxième catégorie. Donc, ces charges incombent à l'ensemble des occupants effectifs ou non. Elles sont réparties en part égale entre chacun des occupants qui devront s'en acquitter auprès de l'administrateur selon les modalités arrêtées par l'Assemblée générale. دونك يتحمل هذه الأعباء جميع الشاغلين للمحلات الفعليين وغير الفعليين وهي موزعة في حصص متساوية بين الشاغلين الذي يتعين عليهم دفعها للمتصرف الادمينستراتور حسب الكيفية سولون لي ميكانيزم اريتي بار لاسومبلي جينيرال لكن في ديسيدي لاسومبلي جينيرال دونك لا ديفيرونس اونتر ايغلان باسكو il y a beaucoup de gens, peut-être, si des immigrés, la différence entre législateur algérien, le wahid, le législateur, a donné, par exemple, c'est que toujours, un dit à l'exemple du français, législateur, les charges de première catégorie, il caractère à part égale. C'est-à-dire, on va donner un petit exemple. Un idée dans une copropriété NF, un copropriétaire qui a un logement de type F2, il y a un autre copropriétaire, il a un duplex de 200 mètres carrés, 250 mètres carrés. Et il y a les charges de première catégorie, si à part égale. Vous voyez la différence par rapport à d'autres pays. Et il y a par un taux de 30e. Selon la superficie. Ni qui est législateur, non, il ferait ce qu'il y a. Il y a des charges, les charges, le calcul, si à part égale. Même si pour les promoteurs, mais par réparer les règlements de copropriété, les charges de première catégorie, de 14,99 et carac, si à part égale. Les charges de deuxième catégorie. Les charges de deuxième catégorie inhérentes aux grosses réparations de l'immeuble, à sa maintenance, ainsi qu'à la sécurité des copropriétaires et occupants. Un copropriétaire, quand il achète un logement dans une copropriété, il a deux types de charges qui seront obligatoires. Il faut inculquer cette culture, même la préparation. Quelqu'un qui veut acheter
dans une promotion, il est copropriétaire dans une copropriété, et il y a un la copropriété, il y a deux types de charges. Les charges de première catégorie, il y a des charges de deuxième catégorie, il y a des charges de deuxième catégorie, il y a des charges de deuxième catégorie, il y a des Zglin les charges première catégorie pour tous les copropriétaires et occupants. L'occupant, c'est-à-dire Winix Dron, Zdachal, Ismeradilian. C'est un locataire, un copropriétaire, le propriétaire, il a un logement, il y a un occupant Zdachal. L'occupant, il laisse les charges de première catégorie. Par contre, la différence entre les charges première catégorie et la deuxième catégorie, les charges. Incombe est fait sur la base de la quote-part de chaque partie commune afférente à chaque lot. C'est-à-dire, on va expliquer des chutes ou un chute. Les charges de deuxième catégorie, c'est un knik saïouen. Mais des chutes, par exemple, dans le Kemdia, décider l'Assemblée générale de faire le ravalement de façade, de faire la peinture pour la façade extérieure. Donc, وين رئيس عون النف دو وين رئيس عون ان دوبلكس نف كات الخلاص ماشي ديون دونك قلقت يعني شك كوبروبريتير يسعى قلقت سكون ابل اشحال يكسعى قلي بارتي كومون قلقت مرا يقرا يون كتبت قلقت لا سوبرفيسي دي بارتي بريفاتيف سيتادير ان لانتيريور دو لابارتمون داش يكسعى الكوبروبريتير نيو يقارد اوسي ce qu'on appelle شحال يكسع ديال اجزاء من الملكيه المشتركه دونك سور لا باز وين شتي يخدم لي كالكول هو كنا تسوفون لا كوت بار شحال راه يخلص الكوبروبريتير لي شارجي نسك لا دوزيام كاتيجوري وي سي بوتيت اكزومبل اونتر بارونتيز دونك ثورا الا قلنا علم اوسي كيك شوز دو تريز امبورطون ان دات روح دي شوز لي شارج كيس كيل كومبرين لي شارج de première catégorie. Youn, quand il paye un copropriétaire les charges de première catégorie, donc représente en quoi, comprend quoi. Adnifk, on va essayer de citer à titre indicatif et non limitatif. Les charges de première catégorie comprennent la rétribution allouée à l'administrateur. Les frais nécessaires pour le fonctionnement de l'administration de l'immeuble, le salaire des concierges et du personnel susceptible d'être engagé par l'administrateur ainsi que les charges afférentes, le paiement de la consommation d'eau des parties communes, le paiement de la consommation d'électricité des parties communes, c'est-à-dire les minuteries et tout. Le paiement de la facture des minuteries. Les frais de fonctionnement d'entretien et de réparation du matériel de la station de surpression. L'achat des produits et des ustensiles nécessaires à l'entretien des halls d'entrée, d'escalier, cages d'escalier et paliers. Les dépenses et frais de fonctionnement du chauffage collectif, climatiseur central et des accessoires. Les frais d'entretien et de réparation des minuteries d'éclairage, des entrées, des paliers et de tous les locaux et parties à usage commun. Le paiement des primes d'assurance couvrant les accidents de travail et ceux occasionnés aux tiers par les employés de l'administration de l'immeuble. Et tous les frais occasionnés par les mini-réparations entreprises sur les parties communes. Donc, on a ici de citer les charges de première catégorie. Les charges de première catégorie. Et les charges de première catégorie. Donc, voilà, on a ici de citer pratiquement 11, mais toujours avec la modernisation, toujours de la Hawaïj, parce que il a qu'un Al-Mith, les textes de la copropriété, le code civil, démarré en 1975.
Donc l'évolution, le décret exécutif de 666-83, après le dernier, c'est le 14-99. Donc les copropriétaires, ils sont tenus de payer les charges, les redevances auprès de l'administrateur, conformément aux modalités fixées par l'Assemblée générale des copropriétaires. Que la copropriété, parce qu'il a connu les organes de la copropriété, Maranzar, une copropriété, déchute les organes de la copropriété. Que la copropriété, c'est l'Assemblée générale qui est composée de tous les copropriétaires. Chaque unique, c'est un lot. Soit c'est un logement, c'est un service, c'est un local à usage commercial ou artisanal. Quoi. Donc, c'est des membres de droit de l'Assemblée générale. Donc, c'est l'Assemblée générale aussi qui décide les modalités et le montant des charges. Donc, on a essayé de donner un aperçu sur les charges de première catégorie. Fera un roh. Cette charge comprend donc un roh les charges de deuxième catégorie. Aba sin thani. Déchouent les charges de deuxième catégorie. Les frais de réparation de toute nature afférentes aux gros murs, sauf cependant les menus réparations relatives à ces murs à l'intérieur des appartements et locaux. Ça, les réparations de la toiture, la terrasse, le ravalement des façades, les réparations réalisées sur façade, les balcons et loges, aux têtes de cheminée, aux canalisations d'eau, de gaz, d'électricité, sauf cependant pour les parties de ces diverses installations affectées à l'usage exclusif et particulier de chaque appartement au local. Aux tuyaux de tout aligo, aux tuyaux d'écoulement des eaux pluviales et usées, et à ceux des vides à ordures, sauf pour les parties à usage toujours exclusif et particulier de chaque appartement au local, aux portes d'entrée, aux vestibules, aux escaliers, aux cages d'escalier, aux paliers et à tous les locaux affectés aux services exclusifs de l'immeuble. Les travaux de réparation nécessités par les engorgements dans les conduites, dans les causes ne pourraient être exactement déterminées. Les frais de ravalement de façade, y compris les frais de peinture, de balustrade, barre d'appui des balcons et fenêtres, des volets, stores et de chaque appartement, bien que ces choses soient propriété privative. Les frais d'entretien, de réparation de tout aligo et des boîtes à ordures de l'immeuble, les frais d'entretien et d'aménagement des locaux, compris dans les parties communes générales, y compris les frais de peinture. Les frais de pose de réparation des installations d'éclairage des parties communes. Les frais d'entretien et de remplacement de canalisation pour les parties principales, à l'exclusion des canalisations particulières au bâtiment collectif. Les déposes et réfections totales ou partielles des ascenseurs et des chauffages ainsi que leurs accessoires. Les contributions et taxes éventuelles sous quelle forme que ce soit auxquelles seront assujetties toutes les choses et parties communes générales de l'ensemble immobilier. Les primes d'assurance contre les incendies, les accidents, la responsabilité civile, les dégâts des eaux et autres risques. Les ascenseurs et elles comprennent les dépenses d'entretien et de réfection totale au partiel des ascenseurs ainsi que leurs accessoires, la consommation de la force motrice, des appareils, de tous les frais quelconques occasionnés par leur fonctionnement. La contribution aux redevances se comptabilise dans le cadre du budget annuel et en cas d'incapacité, les copropriétaires sont tenus de verser un montant comptabilisé sur la base d'un devis estimatif.
les charges de deuxième catégorie, comment elles sont financées? Par un budget prévisionnel adopté en début de l'exercice par l'Assemblée générale, en cas de travaux de sauvegarde à entreprendre d'urgence par un appel de fonds égal au tiers, un tiers de la dépense envisagée en attendant la réunion extraordinaire de l'Assemblée générale que l'administrateur doit convoquer en même temps qu'il lance l'appel de fonds exceptionnel. Avec l'expérience sur le terrain, donc on a rajouté ce qu'on appelle un fonds de réserve. Le fonds de réserve, l'utilité, il a qu'un l'utilité de fonds de réserve d'achoute. Il est chouette. Il est chouette. Il est le fonds de réserve. Il est avancé la copropriété. Il est indispensable le fonds de réserve. Malheureusement, les textes, non, il n'existe pas. Parce que, à d'ajouter ce fonds permet de pallier provisoirement à la défaillance de certains copropriétaires à payer leur quote-part de charges, c'est-à-dire en attendant d'engager les mesures légales, à savoir une lettre de rappel, de mise en demeure avec accusé de réception et puis le recours à la procédure de recouvrement forcé par voie judiciaire ou de faire face couvrir à certaines dépenses imprévues, indispensables ou urgentes. Le fonds de réserve est une avance des copropriétaires à la collectivité, leurs quotes-parts respectives leur sont appelées à l'acquisition de leur lot est restitué par les nouveaux acquéreurs lorsqu'ils cèdent celui-ci. Les modalités de son fonctionnement, de l'Assemblée générale, de le préciser dans le règlement intérieur de la résidence, de la copropriété. Donc, le fonds de réserve. Il y a les charges de première catégorie avec l'expérience sur le terrain. Nous avons par exemple le Covid, une expérience qui est très importante. Les charges de première catégorie, la plupart des copropriétaires, il y a un pourcentage toujours, de 5, 10%, 20%, c'est des immigrés. Non, c'est des copropriétaires qui habitent, s'investissent, c'est des deuxièmes résidences, dans d'autres wilayas. Le Covid nous a donné une expérience, et même les déplacements. Nous avons les immigrés pratiquement sur c'est le premier été après 3 ans et des chemins à. Donc la copropriété, l'administrateur, pour fonctionner la copropriété, elle va trouver des difficultés. Donc c'est pour cela que la création de ce fonds de réserve. Donc il permet l'impact et l'importance dans une copropriété. C'est pour cela qu'on est en train d'inculquer cette culture, le mécanisme pour l'instaurer, parce que c'est un capital dans une copropriété. La collectivité des copropriétaires, qui est toujours, c'est une entreprise, c'est une société. Donc, le fonds est avec le capital. Les copropriétaires, une seule fois qu'elle. Dans leur vie, il sera restitué en cas de vente à ce moment-là. L'appareil, le logement, le local, l'administrateur, il va présenter le nouveau acquéreur, Winemoxis. Il va restituer le fournir à Stir, le nouveau copropriétaire. C'est un capital de la copropriété. Le paiement, tu aurais dit comment le financement, le paiement des charges. Il y a le paiement, le paiement volontaire et le paiement forcé. Le paiement volontaire, selon la nature des travaux, la participation des copropriétaires est assurée, soit dans le cadre du budget annuel des travaux,
soit par le versement d'un montant calculé sur la base d'un devis quand il s'agit de travaux entrepris pour nécessité de sauvegarde du patrimoine commun. Il est créé pour des besoins des travaux à entreprendre dans le cadre du planning annuel d'entretien, un fonds de relevement alimenté en début de chaque exercice par une provision versée par chaque copropriétaire. La provision versée à Vercy est égale à 40% du montant de la contribution incombant à chacun des copropriétaires. Au titre du planning annuel d'entretien arrêté par l'Assemblée générale, l'administrateur doit percevoir dans ses caisses la provision visée ci-dessus dans les délais arrêtés par l'Assemblée générale. Voyez, c'est le paiement volontaire. Le paiement forcé, en caillou, le paiement, il commence volontairement. Il y a l'Assemblée générale qui a décidé le montant, décidé de coach, les décisions de l'Assemblée générale souveraine. Donc, les copropriétaires, donc, après l'Assemblée générale, ils vont exécuter ce qu'on appelle le paiement volontaire. Donc, c'est le PV de l'Assemblée générale. Il est notifié par l'administrateur à tous les copropriétaires. Zaran d'achouder les résolutions égalant de l'Assemblée générale. Donc, à la charge d'exécuter les décisionnaires, c'est l'administrateur qui va exécuter les décisions prises de l'Assemblée générale. Donc, à défaut du paiement volontaire, il y a ce qu'on appelle le paiement forcé. L'administrateur a la charge aussi le paiement forcé, mais toujours si l'administrateur. L'administrateur peut recourir en cas de non-paiement par l'un des occupants ou des copropriétaires, soit de la fraction des frais lui incombant à titre de la première catégorie des charges, non, soit de non-versement de la quote-part lui incombant à titre de travaux obligatoires ou obligations au titre de la deuxième catégorie. Les charges de deuxième catégorie à la procédure de recouvrement forcé. L'administrateur, en cas de non-paiement, la méthode est l'administrateur en cas de la procédure le recouvrement forcé. En cas de non-paiement de fraction de charge de première catégorie, la gestion quarantaine, après deux mises en demeure, l'administrateur, qui n'a rien de la lettre de rappel, toujours on informe le copropriétaire par une lettre de rappel avant Asinchia, même la première mise en demeure. Asinchia, une lettre de rappel. On va le rappeler, c'est les résolutions de l'Assemblée générale. Enda, décidé de l'Assemblée générale, donc l'Assemblée générale, les copropriétaires, une fois, il faut que l'Assemblée générale, la mission de l'administrateur d'exécuter les résolutions. Avec deux mises en demeure avec accusé de réception, c'est très important. Non, il y a un registre de notification visé par le président du tribunal, avec l'administrateur, avec le registre de notification côté parafé par le président du tribunal. Donc, avec les deux mises en demeure avec accusé de réception, ainsi que les deux mises en demeure de même, est-ce d'ici contre-signature que le registre n'est pas. Dans le mois suivant, l'échéance est restée infructueuse. L'administrateur échéance les deux mises en demeure, mieux de répondre à le copropriétaire. Sollicité à l'encontre de l'occupant défaillant, en introduisant, l'administrateur ne va pas rester les bras croisés. Il va ce qu'on appelle une requête auprès du tribunal territorialement compétent dont relève l'immeuble, c'est-à-dire une copropriété de la commune de Bijaya, le mahkama de la commune de Bijaya. Donc, il y a l'administrateur
demande une requête au prix du tribunal. A signé l'administrateur. La résolution, le pivot de l'Assemblée générale, et les copropriétaires de l'UNIC décidaient sur la cote-part, et je vais dire que les copropriétaires, et je vais dire que la copie, les deux maisons demeurent. Donc, une requête auprès du tribunal territorial compétent dont relève l'immeuble, l'émission d'un titre exécutoire en joignant toutes les pièces justificatives, notamment le procès verbal de la résolution de l'Assemblée générale fixant la répartition par les fractions des charges inhérentes à cette catégorie et copie des mises en demeure. Le titre exécutoire ainsi est émis et exécuté conformément à la procédure en vigueur pour le recouvrement des impôts. Donc le Mahkama, juste ce qu'on t'abrateille, il répond 48 heures, parce qu'on a fait des expériences. 48 heures, il devait se faire, il check le titre exécutoire. Donc le titre exécutoire, à qui nous allons, donc, est exécuté conformément à la procédure en vigueur pour le recouvrement des impôts. C'est la même procédure, il y a une maraisse les impôts. C'est tout là, s'il s'agit d'un copropriétaire n'ayant pas honoré les obligations découlant de l'exécution des résolutions adoptées par l'Assemblée générale, notamment le non-versement par ce dernier de la quote-part des charges lui incombant au titre de travaux réalisés sur les parties communes, l'administrateur prend, c'est important, l'administrateur, quand il s'agit des charges de deuxième catégorie, l'administrateur peut prendre une hypothèque légale. On va le souligner, oui, hein. C'est important. L'administrateur, quand il s'agit des charges de deuxième catégorie, admettons, l'Assemblée générale a décidé de le ravalement de façade. D'ailleurs, elle est dégradée la façade extérieure de leur copropriété. Décidé de l'Assemblée générale pour faire les travaux ailleurs. Et qu'il y a un copropriétaire qui n'a qu'un autre qui est ou qui est gara, les charges pour le ravalement de façade. Et il y a une décision prise de l'Assemblée générale. L'administrateur, il peut prendre une hypothèque légale sur le lot du copropriétaire défaillant. Mais les deux mises en demeure, le législateur il fait quelle importance et la gestion de la copropriété. Un copropriétaire qui dit, moi je ne paye pas les charges. Donc il y a la procédure, l'administrateur quand il applique la réglementation, le juge il va appliquer parce que c'est des textes de législateur indécevables. Donc l'administrateur peut prendre l'hypothèque légale. Donc, il y a un logement, il y a des charges de deuxième catégorie, est-ce qu'il y a un même haq à tasarruf ? Ou est-ce qu'il y a l'appartement, parce que l'appartement, elle est hypothéquée. Il est redevable envers la collectivité des copropriétés. Là, c'est très important. Si au terme, donc l'appartement, le législateur il a un droit de faire. Après 3 mois, il ne veut pas payer. Malgré son appartement, elle est hypothéquée. Le législateur de Chédika, il dit, si au terme de 3 mois, le copropriétaire défaillant ne régularise pas ses créances, il est procédé à la saisie immobilière. Il est procédé à la saisie immobilière de sa propriété.
qui est mise en vente par voie judiciaire. Et il met le texte 94. Parce que l'élève peut-être à l'imméra de quoi la négligence, quand un copropriétaire refuse de payer les charges. Donc, l'appartement est choisi les enchères. La justice il va désigner un commissaire priseur pour la vente. L'important. Donc, l'importance est un fléau. Les copropriétaires ne participent pas dans l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, l'administrateur, l'Assemblée générale est obligatoire. C'est important les décisions parce que l'Assemblée générale de la copropriété les résolutions ils sont applicables l'administrateur dans l'exécution des décisions de l'Assemblée générale c'est sa mission il est tenu l'administrateur parce que tout qu'il est qu'est un mandat l'Assemblée générale donc l'administrateur de la Khadmaïnis conformément à la réglementation donc quelque chose de très important l'absence parce que l'Assemblée générale l'importance de convoquer la réunion vu le temps on va communiquer uniquement tout à l'heure, il va prendre un autre volet qui est très important parce que la copropriété de la Bahar. Donc, l'absence d'un copropriétaire ou le fait que son appartement est inhabité ne rend pas moins obligatoire le paiement de toutes les charges. Parce que la plupart des immigrés, parce que les immigrés, qui rentre dans des copropriétés françaises les charges de soutien les charges c'est qu'un logement une quote-part dans une copropriété les charges première catégorie la deuxième catégorie bénéficient des avantages nous bénéficient de la fête c'est un lot donc le paiement les charges ils sont obligatoires. Le législateur, il fait ce qu'il a. Il n'aide pas les charges. Il garde les liens. Occuper l'appartement, elle est vide. Le paiement des charges, ils sont obligatoires. Voilà, Ismaël. Peut-être on a dépassé le temps. Ati comme ça pour votre attention. Je laisse. Je tiens aussi. Vraiment à remercier Daouda, l'association des promoteurs, de nous avoir donné cette chance de communiquer sur un volet qui est très important, la gestion de la copropriété. Et on vous souhaite une très bonne réussite pour cette cinquième édition. À qui on souhaite Daouda, Inch'Allah, jusqu'à la centième édition. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a un foisonnement de détails qui fait que. Ça rend votre communication importante et enrichissante. Passe rapidement à la deuxième. حي هذه المبادرة التي قامت بها جمعية البروموتور الموبيلي مرقين عقاريين لولاية بجاية. نشكرهم جزيل الشكر على الدعوة التي وجهوها إلينا. كذلك الشكر موصول للسيد عيسات يخلف الذي كان وسيطا بيني وبين هذه الجمعية من أجل الحضور أمامكم والمشاركة في هذا في هذه المناسبة القيمة والعلمية في نفس الوقت. Donc ma communication elle est intitulée le transfert plutôt les mécanismes du transfert de gestion entre le promoteur-vendeur et les organes réguliers de la copropriété. Je répète, donc l'intitulé, le titre de ma communication est « Les mécanismes du transfert de gestion entre le promoteur-vendeur, du promoteur-vendeur plutôt, aux organes réguliers de copropriété ».
Quand on dit les organes réguliers de contrôle, c'est-à-dire nous avons une assemblée générale souveraine et un organe exécutif qui est l'administrateur de copropriété. Donc, je ne vais pas m'étaler dans les définitions, sinon le plan de ma communication donc porte dans son introduction, donc l'exposé de la problématique, nous avons 4 chapitres et une conclusion. Donc les 4 chapitres, il y a à la création de l'entreprise du promotion immobilière, c'est le chapitre 1. Le chapitre 2, avant la réalisation d'un projet donné. Chapitre 3, pendant la période provisoire. Et chapitre 4, pendant la période transitoire. Donc il y a une période provisoire qui est citée dans le texte. Nous avons aussi une autre période qui est citée, qui est la transitoire. L'essentiel, donc dans notre introduction, nous allons vous... Il y a une problématique justement que nous rencontrons, que les professionnels et plus précisément les promoteurs, nos confrères promoteurs immobiliers, donc dès la création, dès la promulgation plutôt du texte du décret exécutif 1499 en mars 2014, tous les promoteurs qui étaient en exercice jusqu'à l'heure actuelle ont rencontré et restent toujours, ils rencontrent toujours donc une difficulté pour comprendre, donc une difficulté dans la compréhension du contenu de ce texte qui a énormément, donc entre parenthèses, de lacunes. Énormément de lacunes. Donc le promoteur a rencontré les difficultés pour comprendre justement la façon, donc pour lui c'est pas encore clair, quelle est l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 pour transmettre ou bien pour transférer la gestion du promoteur qui est en poste aux organes de copropriété. Donc c'est là, il y a un ishkal justement. Ishkal, on trouve, Donc nous sommes là avec notre expérience, avec un ensemble d'expériences vécues, avec nos propres recherches. Nous sommes là donc pour éclairer les promoteurs immobiliers dans la façon de transmettre cette gestion étape par étape. Donc dans notre communication, nous avons réparti l'ensemble de ces étapes, l'ensemble de ces mécanismes, je dis bien les mécanismes, donc Aliyat Intiqal, les mécanismes, nous les avons répartis en quatre étapes importantes. La première étape, je dis bien à la création de l'entreprise, Qu'est-ce que doit faire justement le promoteur? Quelles sont ses obligations justement? Parce que je reviens un petit peu, le texte, surtout le chapitre 4 du décret 1499, c'est vrai, il ne précise pas les détails que doit suivre le promoteur pour le transfert de cette gestion. Beaucoup plus, il retrace d'une manière trop vague et d'une manière générale les obligations du promoteur. Mais le promoteur sur le terrain a besoin justement d'être éclairé quelle est l'étape 1 et quelle est l'étape 2 et quelle est la dernière étape, soit la centième ou bien la 200e. Donc là, nous sommes là justement à éclairer le promoteur dans ce sens. Donc à la création de l'entreprise, que doit faire le promoteur justement pour préparer les acquéreurs à ce transfert de gestion? Donc il y a quand même, donc c'est comme si nous avons une étape, une pré-étape avant de rentrer à la première. Donc l'étape zéro, c'est déjà à la création de l'entreprise de promotion immobilière. Nous avons donc 3 points, j'ai inscrit 3 points. Mettre en place d'abord un département ou bien un service ou bien un bureau chargé de la promotion immobilière. Donc le promoteur, dès la création de son entreprise, Madame Bina, il doit quand même mettre en considération le volet de gestion de copropriété déjà à la création de son entreprise. Donc à la base, donc au départ de l'entreprise, déjà il doit quand même préparer son administration à recevoir ou bien
soit un département, soit un service, soit un... C'est en fonction, bien sûr, tout ça, en fonction de la taille de l'entreprise. Si, par exemple, l'entreprise est d'une taille importante, il a besoin donc d'un département carrément. Si c'est, par exemple, une entreprise moyenne, un service. Si, sinon, un bureau, sinon, il doit mettre un chargé de gestion de copropriété, entre parenthèses, gestion provisoire et gestion transitoire. Deux, donc là, il doit mettre en place, j'ai dit, un service ou bien un département. Deux, il doit désigner un responsable, un chargé de gestion de copropriété. Trois, il doit lui assurer aussi une formation spécialisée pour que tout ce service ou bien tout le staff ou bien le travail doit être fait en bonne et due forme. Donc la mise en place d'un service ou bien l'affaire, plus la désignation d'un responsable et l'assurance d'une formation spécialisée pour les responsables. Donc tout ça concernant le chapitre 1 qui est la création. Donc à la création, juste à la création, c'est-à-dire au démarrage, au départ de l'entreprise, le promoteur doit avoir dans son esprit déjà ces trois points. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on comprend de ça? Donc quand par exemple un promoteur donc, pense à ça, ça veut dire qu'il a mis en valeur cette branche, cette filière si vous voulez, ce volet de copropriété. Donc, le chapitre 2, c'est avant la réalisation d'un projet donné. Donc là, l'entreprise est déjà créée. C'est bon. Deux, avant la réalisation d'un projet. Donc chaque fois qu'il a un projet qu'il envisage donc réaliser, il doit quand même suivre aussi certaines étapes. Il doit respecter quand même certains points. Un, il doit s'entendre avec l'architecte, avec son architecte bien sûr, pour qu'il conçoive dans les plans des locaux destinés à la gestion de copropriété comme étant, je dis bien comme étant partie commune ou partie commune générale et non partie privative. Là, je mets un point parce que dans le terrain, nous avons trouvé quand même dans certains EDD les parties communes, donc les bureaux destinés à la gestion de copropriété figurent dans les DD comme étant un lot privatif, or que c'est faux. Donc le DD ne doit pas comporter les parties communes, que ce soit de première ou deuxième catégorie, il doit comporter les lots privatifs qui se vendent, les lots qui ne donc les lots destinés à la gestion de copropriété, c'est des lots qui se vendent pas, qui appartiennent à l'ensemble des copropriétaires. Donc dès le départ, il doit quand même s'entendre avec son architecte à ce qu'il conçoive déjà dans les plans des parties communes générales destinées à la gestion de copropriété. Donc on dit bien les parties communes, donc un bureau d'administrateur de copropriété, un bureau donc ou bien une loge pour les copropriétaires. S'il y a par exemple une cité d'une taille importante, pourquoi pas une salle donc de réunion pour le conseil de copropriétaires. S'il faut bon des magasins pour le dépôt de matériel et de aussi de comment dirais-je donc des produits d'entretien et des ustensiles. Donc tout ça, bon, les architectes sont bien placés pour concevoir donc, et pour mettre dans leur plan donc, tout ce que nous avons besoin, tout ce que le promoteur ou bien la collectivité de copropriétaires a besoin. Donc là, c'est un point important. Il doit concevoir dès le début donc, des locaux destinés à la gestion en bonne et due forme comme étant partie commune et non partie privative, c'est-à-dire ils ne doivent pas figurer dans le DD comme étant lot privatif. Deux, élaborer un projet de règlement de copropriété bien enrichi et bien développé en collaboration avec des spécialistes en administration et gestion de copropriété à soumettre au notaire. Donc on doit quand même, c'est-à-dire le promoteur doit, c'est vrai sur la réalité peut-être c'est pas quelque chose de facile, c'est-à-dire les promoteurs ont toujours ce réflexe de donner ce volet
au notaire. Le notaire doit quand même doit présenter un travail avec tous mes respects au notaire, c'est-à-dire la moindre des choses, le règlement de copropriété dans le volet, je veux dire, la partie 2, pas la partie technique EDD, donc la partie règlement de copropriété, il doit donc contenir ou bien il doit comporter obligatoirement des chapitres et des articles. On trouve sur le terrain donc du copier-coller le 1499, le notaire Washiter, il le calque, avec tous mes respects pour les notaires, donc il le calque pratiquement à 99%. Il reprend le contenu du 1499 intégralement. Sans, je dis bien avec tous mes respects, c'est comme si sans aucun effort. Il le façonne sous forme de chapitre. Donc il lui donne quand même une certaine méthodologie. Donc des chapitres, abouab, wa mawad, ou la madafi, pourquoi? Parce que dans l'exercice de l'administrateur, il a besoin justement d'avoir un règlement de copropriété. Le règlement de copropriété, il fait office de statut d'une copropriété. Nous avons par exemple une association dans le cadre de la 1206. Nous avons la collectivité dans le cadre du 1499. L'association, quand elle est constituée, elle doit avoir ses propres statuts. La collectivité de copropriétaire, dans le cadre, dans le volet de copropriété, les statuts de cette collectivité, c'est bien le règlement de copropriété. Le règlement de copropriété, il doit comporter des chapitres fossol ou amawad. Limada. لانه المتصرف كما نقولوا في الميدان il a besoin justement quand il fait par exemple je sais pas quand il rédige une note quand par exemple je sais pas quand il c'est pas quand il l'essentiel quand il écrit un écrit il a besoin de référence à mettre dans son écrit قال conformément à l'article 3 du règlement intérieur enregistré et publié kada wa kada. Nous avons règlement de copropriété, pas le règlement intérieur, le règlement nidam milkiyah mushtaraka, mush nidam dakhili, nidam dakhili haja okhra, fahmt kifash. Donc là, nous ferons entre les deux. Nous avons un règlement de copropriété, li nhadrou alayh. Donc là, il s'agit du règlement de copropriété. Donc le règlement de copropriété doit comporter ces articles pour aider et pour faciliter la tâche, dans le but de faciliter la tâche à l'administrateur une fois qu'il rédige donc ses écrits. Donc là quand il fait il se retrouve c'est vague parce que nous avons le 1499, j'ouvre une petite parenthèse, le 1499 donc juridiquement parlant c'est un modèle qui est promulgué par l'État. Il reste un modèle namoudaj nidam al milkiya al mushtaraka wach nfahmou min namoudaj c'est que namoudaj on s'inspire du règlement, certaines dispositions, certains articles, mais on ne le reprend pas tel qu'il est intégralement copié-collé. Donc il faut qu'il y ait quand même une certaine différence entre un règlement modèle ou bien un règlement type et un règlement de copropriété déposé chez un notaire. C'est-à-dire conserver et plutôt publier et enregistrer. Il y a une différence entre les deux. L'essentiel, donc, nous avons besoin d'un règlement de copropriété élaboré par le promoteur, c'est-à-dire la mouture ou bien le moussoudda qui m'a dit, madabina, c'est le promoteur en collaboration avec des spécialistes. Donc, il va préparer un projet de règlement de copropriété. Et il le soumet, justement, il le soumet plutôt au notaire. Madabina, il connaît un règlement qui répond aux besoins, un règlement donc, qui doit être enrichi et développé. L'étape, donc, nous avons maintenant le chapitre, en passant plutôt au chapitre 3. Maintenant, nous sommes devant la période provisoire. Parce que si on revient au chapitre 4, du règlement de copropriété là où
là où ça parle justement des obligations du promoteur immobilier concernant la transition ou bien l'assurance d'une transition aux organes de copropriété. Il y a une confusion qui m'appelle malheureusement. Ça parle donc d'une gestion provisoire d'une façon et d'une autre façon d'une gestion transitoire. Les professionnels ont tout le temps posé la question: quelle est la différence entre une période provisoire et une période transitoire? Là, c'est un point. Aussi, le législateur a parlé justement, donc a donné ou bien il a imposé aux promoteurs, vendeurs, d'assurer une gestion à partir des deux ans, à partir de la vente du dernier lot. La question qui se pose, je pense que vous l'avez déjà posée, vous les promoteurs avec les halles, qui est-ce qui va justement assurer la gestion de copropriété avant la vente du dernier lot? Est-ce que la copropriété, on va la délaisser Hagda? Supposons, je cite un exemple, tel X promoteur a fait une vente sur plan, tel les ventes sur plan. Il a par exemple une centaine de lots, toute nature confondue, commerce, service, etc. Son lot. Il a commencé par exemple à livrer les lots le 1er janvier 2022. Quel par exemple, j'ai une dizaine de clients le 1er janvier, classe bon le projet. C'est-à-dire, laissons l'exemple de vente sur plan. Une vente qui m'a fini. Quel un promoteur, il a construit une cité finie de son logement. Le 1er janvier 2022, la conformité d'Aha, le 1er janvier, il fait la livraison, le PV de livraison ou bien le PV de remise des clés pour une dizaine de clients le 1er janvier. Ça lui reste donc 90 lots qui ne sont pas vendus, une zénère. Donc qu'est-ce qu'il va dire à ceux-là, les 10 qui sont rentrés déjà en jouissance? Justement, ils ont besoin que l'ascenseur fonctionne, qu'un agent d'entretien nettoie les escaliers, ils ont besoin que le jardinage soit fait, etc., etc. Ils ne peuvent pas attendre ce promoteur jusqu'à la fin du siècle. Parce que comme il peut vendre les 90 lots dans un mois, comme aussi il peut les vendre dans 10 ans, dans 20 ans. La question qui se pose, justement, le législateur n'a pas éclairé les deux points. Donc là, c'est très important, c'est un problème épineux. Donc pour être clair, dans nos têtes, il y a une logique. Il y a une logique, le promoteur est obligé de l'appliquer. On attend donc que le texte ou que les textes soient revus. Nous avons une période provisoire qui commence. On est tenu de donner des définitions. Parce que le promoteur ne va pas faire, parce qu'il ne sait pas qu'il y a des manies. Sinon, il est. Donc, la période provisoire, elle doit commencer à partir de la vente du premier lot jusqu'à la vente du dernier lot, là, il après 20 ans. Par contre, la période transitoire, elle est de 2 ans, à partir de la vente du dernier lot jusqu'à la fin ou l'expiration des délais de 2 ans. C'est-à-dire, à cas, ben, ça n'est clair pour qu'on puisse travailler. Sinon, on ne peut pas avancer, on ne peut pas travailler. Donc nous avons, c'est notre propre interprétation, parce que sur le terrain, il y a beaucoup de promoteurs qui se posent la question. On leur dit, vous ne pouvez pas quand même laisser les cages d'escalier sales pendant 20 ans. Et vous allez attendre la vente du dernier lot pour commencer la gestion immobilière. Ce n'est pas logique du tout. Donc, il ne peut pas la laisser. Déjà que l'escalier, c'est pas l'idée, pas la station. Je pense que l'assistance est d'accord avec ce principe, avec cette logique. Il ne peut pas rester.
Donc la période provisoire, donc on se met en quelque sorte à la place du législateur. On était obligé, donc un khmemstrmaminus. Donc wadana anfusana fi makan al-mushri' wa ka'annana kima nqulu hna al-mukh dialo. Donc wa chi khsit al-mushri' justement bil fitra al-mu'aqqata wa al-fitra al-intiqaliya provisoire et l'akhir. Donc là, qu'est-ce qu'on comprend par l'akhir? La provisoire, c'est que parce qu'on revient au code civil, la copropriété commence dès la vente du premier lot. Quand par exemple un promoteur il a son lot, il suffit qu'il vende le premier lot, khlas, il est rentré en régime de copropriété. Avant qu'il vende ce premier lot, c'est un régime de propriété individuelle. Tous les son lots lui appartiennent seuls. Mais le fait qu'il vende un premier lot, khlas, ntaqal min nizam le milkiya al khassa ou la milkiya fardiya ila nizam le milkiya al mushtaraka walou annou ando kima nqoulou mushtari wahed ybqa houa ando 99 hissa ou le mushtari ando hissa wahda houma il forme l'assemblée générale de copropriétaire. Hna wach nsemmou hna kima nqoulou, c'est vrai, il y a aussi ce qu'on appelle donc le cahier de charge du promoteur, qui exige au promoteur est-ce qu'il met en vente tous les lots. Il est obligé de vendre, mais la durée donc là pendant cette période le promoteur on le considère comme étant un copropriétaire provisoire. Voilà, semaine provisoire, voilà le mushara semaine provisoire, mais obligé d'interpréter les idées du promoteur, plutôt du législateur. La période provisoire, parce que le promoteur, il a la qualité d'un copropriétaire provisoire. C'est-à-dire, il est là à attendre les clients. Si par exemple les 99 clients viennent le lendemain, il va vendre classe. Il rejoint la copropriété. Donc, il n'est plus copropriétaire provisoire. Ça va rentrer. Donc, on va rentrer dans une autre période qui est la transit. Donc, cette période commence dès la vente du premier lot jusqu'à la dernière, parce que nous te fermer. Cette période est provisoire et illimitée. Donc elle est illimitée. On ne peut pas la limiter, impossible. Pendant cette période, le promoteur est considéré comme étant un copropriétaire provisoire. Le fait qu'il mette les lots lui restant en vente. Qu'on a 200, il a vendu un le 1er janvier, Paolo 90. Il est copropriétaire provisoire en attendant qu'il vende les 90 restants. Pendant cette période, il est tenu d'assurer la gestion de façon ordinaire et graduelle. Mais quand je parle, voilà, par exemple, le chapitre Adam Ndero, je ne sais pas, parce que je n'ai pas beaucoup, non. Il fait bien sûr de façon graduelle. Quand le promoteur, il n'y habite pas. Il y a 99 lots qui sont inhabités. Donc, nous avons moins de saleté, moins de ceci, de cela. Peut-être il a un ensemble immobilier composé de 10 blocs. Peut-être le client, il habite le bloc A. Le promoteur, on dit donc graduellement, il n'a pas besoin de mettre en place des agents d'entretien des autres blocs, c'est-à-dire parce que les gens n'y habitent pas. Il va mettre justement uniquement un. Donc, pour qu'il gère mieux son budget, donc il va mettre du personnel réduit uniquement pour le bloc A, parce qu'il y a quelqu'un qui habite dans le bloc A, on a besoin de lui donner la considération. Parce qu'on a un seul client, on attend les 99 pour qu'on fasse le nécessaire en matière d'hygiène. Non. Il a acheté khlas. Donc on doit lui donner la considération convenablement. Commencer à constituer, donc dès cette période, le promoteur, donc parmi les états, parmi les mécanismes, commencer à constituer le fichier des copropriétaires et ou locataires. Donc là, il va rentrer dans cette période à constituer, à démarrer son administration. Dès qu'il vend le premier, donc il doit constituer le dossier du premier copropriétaire. Donc il doit remplir une fiche donc du copropriétaire avec son information. Donc il y a un modèle, il doit commencer à constituer
justement le fichier, ce qu'on appelle le fichier il est demandé par la réglementation. Donc voilà, parce que quand on prépare le fichier, une fois, après les deux ans, il dit à l'administrateur, donc on lui fait donc la passation de consigne, on va lui transmettre justement le dossier de tous les copropriétaires, on va lui faciliter la tâche. C'est pas arbitrairement. Donc la constitution, elle commence justement dans cette période provisoire. Les connards, elle est illimitée. Le point suivant, fixer des tableaux d'affichage vitrés à l'entrée de chaque bloc ou dans le hall pour une meilleure communication avec les copropriétaires. Dès la vente déjà, bon, la conception, il y a quand même pratiquement pas mal de promoteurs qui font ça, mais à titre de rappel, on rappelle. Donc, on rappelle les promoteurs, est-ce qu'il y a une importance quand on met un tableau d'affichage vitré à l'entrée de chaque immeuble, qu'il connaît une note de service, une information, etc. Le promoteur doit être toujours en contact, il doit diffuser l'information, il doit justement véhiculer le moindre détail aux acquéreurs. Parce que quand il n'y a pas de communication entre le promoteur et ses acquéreurs, mais chacun qui est né. Donc je ne rentre pas dans ces détails, les promoteurs ils sont là, donc ils connaissent mieux que nous ce genre de problème. Mais quand il y a la communication, c'est-à-dire il y a une transparence, quand il y a une transparence, donc il y a une tranquillité, il y a une confiance qui va naître automatiquement. Donc d'année en année, le promoteur-vendeur adopte un budget prévisionnel de fonctionnement à base des chapitres existants. Donc sur le volet financier, il ne doit pas faire un budget de façon forfaitaire, c'est-à-dire un budget quand même si dans la période provisoire, il doit quand même énumérer les chapitres dont la copropriété a besoin. Il va faire son budget prévisionnel en fonction de ces chapitres. Il ne va pas arrêter, un appel par exemple, que voilà, vous allez payer 2500 dinars. Sur quelle base, ma'la balèche ? Avec tous mes respects au corps de promoteur ? Non, on doit corriger quand même la démarche. Même si dans la période provisoire, même si nous avons un seul copropriétaire à qui on a vendu, on va faire les choyas. Le travail de façon comptable, convenablement. On doit préparer un budget de fonctionnement qui va même si nous avons un seul ou deux copropriétaires. Donc tout ça rentre, c'est des éléments à mettre en place, à respecter dès le début, avant, justement, ça, parce que ça, la période, justement, le chapitre 4, qui est la période transitoire. Là, c'est des préparatifs, c'est des préparations. On prépare le copropriétaire, si vous voulez, socialement et psychologiquement, sociologiquement et psychologiquement, pour qu'il rentre justement dans le bain une fois qu'une administration de copropriété digne de son nom est installée. Donc je continue. Aussi, il doit ouvrir un compte séparé ou bien un sous-compte. On espère que toutes les charges recouvrées dans ce sens doivent être versées dans ce compte. C'est-à-dire parce qu'il qu'Hassab justement, il ne faut pas que les copropriétaires versent par exemple les charges dans son compte principal. Madabi, il crée, c'est une mesure, c'est-à-dire il va faciliter la tâche à la fin quand il fait sa comptabilité. Donc le compte séparé, donc on le conseille, ou bien un sous-compte, justement pour déposer toutes les charges versées dans le cadre de la gestion de copropriété. Préparer, donc le point suivant, préparer les acquéreurs psychologiquement à adhérer à l'idée du fonds de réserve dont nous a parlé notre cher confrère Yakhlef Aissat. Donc il doit aussi les préparer psychologiquement à adhérer à l'idée de créer, une fois qu'un administrateur élu officiellement est installé, à adhérer. Il doit les préparer, il doit leur dire, voilà, dans ces équilibres, vous avez non seulement des charges à payer, parce qu'avec le promoteur dans cette période, il paye les charges, la cité elle est peut-être neuve, donc on n'a pas besoin peut-être là. Allez, je vais chaque fois à la promoteur les obligations. Normalement, même le promoteur, il doit créer ce fonds dans cette période, mais allez, étape par étape. Mais néanmoins, là, au moins, il rappelle les gens à ce qu'ils viendront le jour, ils vont avoir besoin justement d'un fonds de réserve qui va leur servir
pour pas mal de choses. Je ne vais pas répéter l'utilité de ce fonds parce qu'elle a été bien expliquée par M. Aissat. Maintenant, on va passer justement à la période la plus sensible, la plus importante, qui est la période donc transitoire. La période transitoire qui est claire, si vous voulez, dans le texte. Le texte, donc cette période commence à partir de la vente du dernier lot jusqu'à l'expiration des 2 ans. Donc le promoteur, je répète, est tenu par le texte d'assurer ou de faire assurer la gestion de copropriété pendant 2 ans à partir de la vente du dernier lot. Pendant 2 ans, donc elle est limitée. Donc, bon, le législateur, on suppose que le législateur décrit de cette façon, elle est transitoire, elle est limitée, cette période est limitée dans le temps, 2 ans. Donc après une période provisoire de 20 ans par exemple, la période de 20 ans par exemple commence de 2022 jusqu'à 2042, la vente du dernier lot. En 2022, on va compter les 2 ans, 2042, 2044. Si on fait les calculs, à partir de 2042, 2044, les 2 ans du promoteur. Pendant cette période, d'abord, c'est là où le travail de préparation que doit faire le promoteur, c'est pendant ces 2 ans qu'il doit faire le nécessaire pour transmettre la gestion. Donc, qui est faite par ses soins aux organes de copropriété. Donc il a ses 2 ans, il prépare le nécessaire pour transmettre cette gestion. Sinon, pendant les 20 ans, il n'a pas cette tâche. Mais une fois il a des 2 ans, il doit commencer justement à faire les préparatifs nécessaires pour préparer les copropriétaires, parce que c'est toute une culture à inculquer, c'est tout un travail à faire, c'est toute une procédure technique à préparer. Donc tout ça, il a les 2 ans. Donc début des 2 ans, il doit quand même mettre dans sa tête. Donc addition niya, pêche à dire tout ça, il a tout l'essentiel. Donc là, d'abord faire participer. La première étape, il doit mettre dans son esprit, il doit avoir dans son esprit, d'abord faire participer les acquéreurs aux étapes de la transition en installant une commission provisoire. Donc pour que cette tâche réussisse par les soins du promoteur, il doit justement faire participer les acquéreurs pour toutes les décisions, pour toutes les démarches. Mais comment? Il y a une procédure, ce n'est pas d'une façon anarchique. Il doit créer d'une façon ou d'une autre, soit par élection, soit par désignation. L'essentiel, c'est un autre volet, on le discutera dans d'autres événements, inchallah, ou l'acte d'Arabie Subhanahu. C'est un détail. L'essentiel, il doit créer une commission de certains acquéreurs qui manquent le souci de l'avenir de leur cité, de certains acquéreurs jaloux de l'avenir de leur cité. Donc, tout cela vont former une commission préparatoire provisoire. Il a besoin de cette commission pour qu'il soit épaulé par elle et faire le travail de transition. Donc là, qu'est-ce qu'il doit faire avec cette... La commission, il doit lui expliquer son rôle, les mécanismes de transition, les critères de sélection de candidats, parce qu'il y aura une candidature dans quelques mois ou bien dans deux ans, une candidature pour le poste d'administrateur. Donc il doit leur expliquer les critères de sélection de candidats, le nombre de candidats à retenir, et à faire passer à l'Assemblée Générale, le mode d'élection de candidats, le calendrier des différentes étapes à suivre dès l'appel à candidature jusqu'à la constitution complète du dossier d'agrément. Parce que la collectivité doit avoir un agrément au niveau de l'APC, Kadawakada. Donc il doit leur expliquer tout ça pour qu'il les prépare à prendre le flambeau de gestion. Parce que si par exemple, ou la Kentlkatea, Bino, ou Bin, Shurakaf, Mulk, jusqu'aux élections, c'est comme si Madrnawal. On doit préparer cela, on doit, si vous voulez, former cette équipe
Le promoteur est tenu de former, de transmettre toutes les informations, tous les éléments pour qu'ils assurent, après les deux ans, la gestion de la copropriété. Parce que la copropriété, elle peut être assurée par un administrateur professionnel, comme aussi elle peut être prise en charge par l'un des copropriétaires. Hadawa le texte. Donc, l'essentiel, il doit leur expliquer toutes ces choses pour qu'ils les forment. Parce qu'ils sont en train de justement, parce qu'ils sont en train élaborer un avis d'appel à candidature. Il est tenu donc de faire une concurrence. Bon, il est tenu. Bon, c'est une pratique. Le texte ne le dit pas. Mais c'est une kimokolo. C'est un conseil, si vous voulez, qu'on donne au, donc, au promoteur. Il va préparer un avis d'appel à candidature au poste d'administrateur. Il va élaborer la fiche technique servant de base de calcul pour essayer de conclure. Classe. C'est bon. Ah, ouais, c'est bien. Je suis à la dernière, je suis à 25 minutes. Ils ont dépassé. Oui. Parce qu'on ne se remarque pas. L'essentiel, bon, il y a une fiche technique à élaborer, il y a un spécimen de budget prévisionnel qu'il doit aussi préparer. Il doit organiser donc, une séance d'ouverture des plis, une séance donc, d'analyse et d'évaluation des offres. Il doit tenir un registre de notification de convocation. Il doit convoquer, c'est à lui de convoquer conjointement avec cette équipe qui est choisie par le copropriétaire. Donc, il doit convoquer l'Assemblée générale constitutive conjointement avec les acquéreurs, avec la commission préparatoire. Il doit aussi convoquer la première Assemblée générale aussi conjointement avec cette commission. Il doit préparer la mouture, le projet du règlement intérieur. Là, je reviens, du règlement intérieur, Nizam Dakhili. Il doit préparer aussi une mouture à transmettre à l'administrateur parce qu'il a vécu dans cette cité plus de 20 ans. Il a bien connu donc, les détails, il connaît bien les détails dans cette cité. Donc, il est bien placé, il est mieux placé pour rédiger pour rédiger ce règlement intérieur à transmettre à la collectivité de copropriétaires. Recueillir les dossiers, justement, les pièces du dossier d'agrément et enfin signer un procès verbal de passation de consigne entre lui et l'administrateur une fois qu'il est élu. La conclusion. J'ai bien aimé à travers donc, cette modeste communication que j'ai faite à la collègue Ala Oujala Kimankolo, je suis en convalescence. Je tiens à remercier aussi M. Aïssa Tikhlef, il m'a encouragé justement pour élaborer Kimankolo, pour préparer cette communication à la va-vite. Je m'excuse à la collègue Ala. Je le remercie. Donc là, à travers cette communication très modeste, j'aimerais bien transmettre un ensemble donc, d'expériences vécues. Et d'éclairer le promoteur justement dans la démarche, dans les étapes plus précisément, les étapes à suivre pour qu'il transmette convenablement ou bien dans de bonnes conditions, donc Yidman, Inchitum, l'intikal salis, mais le promoteur, il a les acquéreurs. Je vous remercie, barakallahu fikoum, salam alaykoum. J'ai mis combien de temps? Un peu plus de 25 minutes. Merci M. Bajich pour la qualité de votre communication et je pense que vous avez humblement et modestement contribué à dissiper certains amalgames et certains brouillards sur la question de la gestion de la copropriété. Il me semble que la gestion de la copropriété peut faire l'objet d'une journée d'études, voire de séminaire. Le débat est ouvert. Yali Ouzi, vous voulez me déposer une question concernant la gestion de la copropriété et le bienvenu. M. Graba, c'est la mémoire de Lapide. Il y a une première question, vous avez donné une réponse à cette question, à savoir la gestion de la copropriété
pendant les deux années. Donc, vous savez que le fonds de l'immobilier est chargé d'assurer. La question, c'est que les gens me posent la question. Les gens qui connaissent le livre, qui ont bien regardé le livre, ils disent que le promoteur immobilier doit prendre en charge la gestion de la propriété. Alors la question que vous pouvez poser, qui doit prendre financièrement en charge cette gestion de la propriété? Est-ce que c'est le secteur? Alors c'est le promoteur. Alors, l'autre partie de la question, si c'est les acquéreurs, sur quelle base le promoteur fixe les tarifs pour telle ou telle prestation. Notamment la propriété des escaliers, la consommation de l'énergie, etc. Est-ce qu'il y a une tableau tarifaire qui fixe pour toutes ces tarifs, pour toutes ces prestations? Pourquoi les gens me posent cette question? Il y en a qui viennent, ils me disent, voilà, moi j'ai acheté chez tel promoteur. Voilà qu'est-ce qu'il m'a fixé comme charge du propriétaire. Il dit que j'ai un camarade, j'ai un ami qui a acheté chez tel promoteur, donc la qualité du produit est meilleure, mais chez ce promoteur, les charges de copropriété sont moindres. La dernière partie de la question, certains nous disent, moi, celui qui m'a vendu, le promoteur qui m'a vendu, il me demande de payer à l'avance tous les frais de la copropriété pendant les deux années. Très bien, avec ça, je vais là-bas, merci beaucoup. Très bien, barakallahu fik. On va ouvrir une série de questions, comme ça pour permettre aux deux conférenciers de répondre. Je préfère répondre à l'affaire, tu m'entends directement, là, je préfère. Nous y devons passer. Parfois, on oublie, parce que des fois, les idées... Je suis agent immobilier, administrateur des biens. Je voudrais remercier mon confrère pour faire une recherche de cette communication. Ils ont... Tout d'abord,
Et là, vous allez faire appel à des administrateurs de biens. Vous allez élaborer un budget provisionnel. À ce moment-là, le budget provisionnel, bien sûr, il concerne les charges première catégorie inhérentes à la gestion du parc conduit. Donc, deuxième point, il sera pas loin, oblige le promoteur à gérer, à faire gérer la résidence pendant une durée de 2 ans. Malheureusement, il y a un vide juridique, et par là, c'est-à-dire le promoteur doit assurer la gestion à la dernière vente. Ça veut dire le promoteur dit que j'ai un appart pendant 10 ans, mais elle est gérée pendant 10 ans la période. Troisième point, il faut sensibiliser à M. Rudy, les promoteurs, parce que dès qu'ils feront compte qu'un administrateur, j'ai toujours des demandes. Si les promoteurs commencent, pas les gens qui sont honnêtes, mais avec les 2 ans, c'est le même transfert de propriété, c'est même le transfert de bilan financier et des administrateurs. Je sais qu'il y a une autre, et une autre des promoteurs, avec les 2 ans, a dit ah oui, non, c'est des chevaux, mais c'est quelle base? Nous les faisons, les autres pays, hein? Au sein du propriétaire de gérer la copropriété. Le promoteur, se désengage son rôle, c'est propriétaire de logement, c'est propriétaire de commerce et de services, de les vendre et de faire gérer à la copropriété tout ce qui concerne la copropriété. Parce qu'en effet, il y a un ami qui vient de faire des choses à voir. Donc, je vous invite, il faut s'approcher parce que c'est un vrai problème. On a plus en plus. D'abord, il y a un problème de texte, concernant le problème de texte, mais le bon problème, c'est qu'il y a un problème de culture. Avant que ce soit un problème de texte, c'est un problème de culture. Ça ne rentre pas dans la tête de l'acquéreur. Le pays, c'est comme si c'était une location. Je vous dis, bon, pourquoi le pays? La deuxième chose, je vais poser une question très importante, sur quelle base un promoteur fixe pour son EDD, pour faire les membres de l'entreprise, les chargeurs de l'entreprise, les chargeurs de l'entreprise. Bon, sur quelle base? En principe, selon mon langage, le promoteur sur la première année, dès lors qu'il doit y avoir des généraux, c'est l'Assemblée générale qui doit approuver un budget prévisionnel. Et donc, c'est ce budget prévisionnel qui doit définir le champ. Donc, le montant qui ne peut être pas là, il peut dire la première. En attendant la refonte du texte, parce que nous, on vient, parce que, en tant que promoteur, on a à se débarrasser, de cette mission de gestionnaire de profondeur. Ce n'est pas dans les missions d'un promoteur de gérer. Et bien, la copropriété, quel que soit, si je vois ici, si j'ai un ensemble, 100 euros, j'ai vendu 50, ça veut dire que je
c'est contre l'autre. Donc je suis contre le fait qu'on a pris le monde sans cela, sans je sois obligé de gérer. De gérer. Donc la gestion, elle doit se faire, c'est pas ce. Donc il doit y avoir transfert de gestion dès lors qu'il y a mise en service. Dès lors, ne serait-ce que dès lors. Donc il doit y avoir un transfert de la gestion de fonds propriétaires à qui le donne. Donc, moi je vous invite à vous rapprocher. Donc d'abord à une lecture critique de la loi, de la commission locale. Et de faire éventuellement des propositions, je pense que le ministère, si vous voulez qu'on se charge, en tant que fin de cas, en tant que principal, pense les propositions, nous allons le faire le plus. On va répondre à cette série de questions. On va donner la possibilité, juste rapidement. Si vous voulez répondre à la première. Justement, concernant la question posée par le monsieur. Donc vous avez posé la question concernant les charges. Les charges sont prises exactement par qui? Voilà. Est-ce que le copropriétaire, ou bien c'est le promoteur qui les prend en charge? Donc il y a une logique. Le promoteur, dans sa nature, dans la profession, la nature de sa profession, comme M. Boutride l'a dit tout à l'heure, donc on revient à la nature de la profession du promoteur. Le promoteur achète des terrains, des assiettes de terrain, destinées à la construction, et la finalité, c'est de les mettre en vente. Ça, c'est la mission principale du promoteur. Ce qui concerne la gestion, ce n'est pas au promoteur de la prendre en charge. Le promoteur, une fois qu'il vend, oui, football. Je vous réponds. Baraklofik, pour votre question, c'est-à-dire qu'il y a une logique universelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que la gestion, parce que le texte, le promoteur est tenu de gérer et de faire gérer, ou de prendre en charge la gestion de copropriété pendant. Parce que là, le promoteur est tenu de gérer ou de faire gérer. La copropriété pendant 2 ans à partir de la vente de cette prise en charge. Pourquoi on comprend que c'est une prise en charge financière? C'est une prise en charge dans l'organisation, c'est-à-dire dans le travail, dans la fonction. Non, parce qu'on revient, parce qu'il faut comprendre les textes dans leur esprit d'abord. Donc, quand le promoteur il a une certaine mission, s'il prend en charge la gestion, comme vous le dites, il va prendre aussi, c'est lui qui doit acheter le bien pour les acquéreurs. C'est la même chose. S'il prend en charge, c'est-à-dire s'il est tenu de prendre en charge financièrement les 2 ans, c'est pas une logique. Donc, c'est à lui aussi de faire des dons et repart directement. Des donations pour les acquéreurs. Il y a des gens qui ont bien un F3Y, soit 1 milliard, il y a des dons, des donations, actes de donation. Et les acquéreurs, il y a un don, donc un logement coûte 900 millions, plus 2 ans de charges. Il y a des gens. Non, c'est une question qui n'a pas de logique. Les charges doivent être prises par le muntafi'in, les bénéficiaires qui sont les acquéreurs, une fois qu'ils rentrent en jouissance.
de nous dire qu'il s'agit des cages d'escalier, de nous dire qu'il s'agit des ascenseurs, de nous dire qu'il s'agit de la verdure, des espaces verts. Donc c'est à eux de prendre en charge, c'est vrai. C'est illogique. Donc c'est là la réponse, notre réponse est claire et nette. Monsieur, vous voulez apporter une modification? D'accord, très bien. Et il dit qu'il est très bien censé, les copropriétaires, après la gestion des deux soldats, comme par la possession du conseil avec l'administrateur élu par l'Assemblée générale, effectivement, et il est censé, les copropriétaires de la gestion de l'Assemblée, et il est promoteur qui tue de rendre compte de sa gestion, mais qui est un seul, il est bien censé, les deux soldats. Donc, il est tenu de rendre compte de réunir pour l'administrateur qui sera désigné par la son régime. Donc, l'ingénieur, on ne sait pas l'installer, disent le préjudice, c'est à la charge des acquéreurs. Le directeur, le promoteur, il est tenu d'arrêter le directeur dans le sud-ouvrier du padreur. Il est là qu'il va présenter ça parce que le texte, il substitue le promoteur aux organes de la copropriété. Donc, il tire l'Assemblée générale, celui qui décide tout. Et qui est ce législateur, le Qanoun, le Haq, d'établir un budget prévisionnel. Et je trouve que l'État est là, c'est tout à fait normal. Mais le Qanoun, qui est le Haq, à définir le budget prévisionnel, ou à définir la compare à demander pour les acquéreurs. Après les deux zones, où se fait un stage normal, après c'est l'Assemblée générale qui va voter un budget prévisionnel qui va désigner exactement la compagnie. Même que le texte il est clair, hein, mais il ne faut pas par exemple le parce que le robot qui est c'est clair d'être précis, d'être très préparé, d'être la gestion, parce que va changer. Il y a des promoteurs. Vous regardez être le même, il y a des promoteurs précis, pour la gestion de transitoire, il y a des promoteurs maintenant. Donc le risque, il va supporter, c'est le livret à l'échelle. Même le calme est de rendre compte de sa gestion. Et vous dites au vous direz le donc le législateur ici par là, il accélère. C'est logique. Vous voyez, il faut comment calculer un paiement des charges sur les deux oreillers, si je parle promoteur. Donc, vous voyez ici le législateur, le talonicien, il va le net limite, il substitue aux organes. Donc, de l'Assemblée générale qui décide sur les modalités de recouvrement des charges. L'Assemblée générale qui donne le cas de la gestion transitoire, l'Assemblée générale est mieux. Le promoteur, mais il a commandé le paiement des charges 2 ans, donc Khaloui, il s'en a. Parce qu'il représente l'Assemblée générale, il substitue aux organes, en étant de l'Assemblée générale, il se met à la civiquement. Vous voyez, Khaloui, qu'est-ce qu'il y a? Il va demander l'avance, le paiement des charges des 2 ans. Voilà, merci beaucoup. Très bien. La question... Vous voulez reprendre la. Non, c'est bon, c'est bien répondu. Il y a une deuxième question qui n'est pas la carte. Sur quelle base le promoteur fixe ses prestations? C'est ça. Sur quelle base le promoteur fixe ses prestations? Donc à la base, soit en période provisoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou bien en période transitoire, le promoteur ne doit pas fixer des montants de façon forfaitaire. Elles doivent être quand même, donc les montants doivent être basés sur un certain travail qui est un budget prévisionnel. Donc d'année en année, je l'ai dit tout à l'heure, d'année en année, et comme même M. Boutrid l'a expliqué, donc les budgets prévisionnels sont révisables d'année en année. Donc pour une première année, chaque année, le promoteur doit présenter, même si par exemple il détient 99 lots,
il a un seul copropriétaire. Il doit quand même faire un travail convenablement. Il doit donc énumérer les chapitres nécessaires, car le chapitre électricité, chapitre eau, surpression d'eau, chapitre ustensiles, de, les ustensiles matériels, les habits, le personnel. Donc tous les chapitres, doit les énumérer, il doit faire donc un budget prévisionnel. Donc mes années, je dirais, car voilà, selon le marché, ça coûte 13 kadawakada, le kilowatt kadawakada, il va faire ses calculs de façon scientifique, mais pas de façon arbitraire ou bien forfaitaire. Mais écoute, par exemple, pour cette année, me donner 2500 dinars, c'est bon. Ou là, me donner 3000 dinars, ou là, 500 dinars, non. Il doit prendre, donc, il doit faire un travail au préalable de façon scientifique, si vous voulez. Il y a quand le chapitre électricité nous coûte par mois tant, le chapitre eau par mois tant, le chapitre le salaire du personnel et les charges afférentes tant, et ainsi de suite. Il va faire un total de tous les chapitres énumérés, il va donc faire sortir un total. Le total, il est réparti, comme il l'a dit dans sa communication, M. Aïssat. Quand il s'agit de charges de première catégorie, le total mensuel est réparti à part égale entre tous les copropriétaires. C'est ça le calcul. Quand voilà un montant, nous avons donc un budget de fonction, de fonctionnement mensuel, middle de 500 000 de dinars, 6 millions, sur une copropriété par exemple de 300 lots. On répartit les 500 000 dinars par le nombre de lots qui est 300. Donc, un montant, le montant, c'est ce montant qu'il doit payer. Mais d'année en année, il ne doit pas figurer qu'il manque l'eau sur la vente sur plan. On s'est posé, même moi personnellement, tous les confrères, on se pose toujours la question, comment préciser un montant dans une vente VSP? La vente, peut-être la livraison des logements va se faire peut-être dans 36 mois, dans je ne sais pas, 72 mois. Quand je demande en 2022, dans une VSP, 2500 dinars, peut-être l'entrée en jouissance de mes acquéreurs, de mes clients, en 2028. Mais dans les 6 ans, Tricity, je ne sais pas. Là. Donc, ce n'est pas logique. Voilà, je me mets dans ma tête. Voilà, dans 8 ans, peut-être. Bon, pour cette année, le kilowatt électricité, il fait tant. Donc là, je fais une augmentation. Donc par coefficient, donc 5, je ne sais pas, il y a des spécialistes en la matière, 5% d'augmentation par année, mais il faut que ça soit quand même par étude. Tout ça doit être quand même soumis aux spécialistes. Quand voilà, j'ai un projet que je dois livrer peut-être dans 8 ans, dans 3 ans, je le soumets aux spécialistes. Quand voilà les variantes, première année, donc même si je dois le faire figurer dans le VSP, mais en 3 parties, quand par exemple, je vais suivre. En même temps, par exemple, il est livré dans 36 mois parce que le Bouddha, le Hattoha, voilà, il te sallam qui m'a dit, il sallam le Mishra, il fait 30 chars ou il fait 40 chars. Je vais mettre, donc, si c'est fait 36 mois, je vais mettre 3 budgets prévisionnels. Première année, deuxième année, troisième année. Donc, première année, vous payez 2000, deuxième année, 2200 par exemple. Et la troisième année, vous payez qu'à la fin, en prenant compte, bien sûr, des indices et du travail, donc des spécialistes. Mais pas uniquement les 2000 dinars à l'éternité. Ça, c'est illogique, on ne l'accepte pas. Avec ça, c'est logique. Alors, on va prendre. Pour les 2 ans, oui, pour les 2 ans. Mais les 2 ans vont commencer à partir de l'an 28. Allez. Le courrier, c'est logique. Merci. On va prendre une deuxième série de questions. Je vous demande de grâce d'aller vite à l'objet de votre question parce qu'il se fait tard et on doit libérer l'assistance et la salle. Première question. Représentant de la collectivité de copropriétaires. Représentant de la collectivité de copropriétaires.
Je peux répondre, معليش. On va prendre le rapidement كان كما Attendez d'abord, je vais quand même parce que pour éclairer très bien, je vais mettre l'idée C'est bon. Vas-y, bismillah. Monsieur le président. قرب الميكرو قرب Un dernier intervenant, c'est le dernier intervenant et on va clôturer, Inch'Allah. Le sort des ensembles immobiliers régis avant la loi 1101, avec les deux articles qui exigent la gestion de la propriété. Elle doit être annexée au PSP.
Quelle est votre question justement? Reformulez cette dernière question. Vous n'avez pas. Culturel ou bien culturel? Culturel. On va vous répondre avec ça. Merci beaucoup. Monsieur qui a posé la question concernant la justice transitoire et les préférables. D'ailleurs, même si le souhait de mettre des promoteurs, il y a un promoteur immobilier correct, je ne peux pas être gestionnaire de promoteurs. C'est logique. Législateur espérant, jamais, dans cette démarche, il y a la loi sur la tienne au niveau du ministère, et il y a la partie même des appuyés concernant. Il y a des handicaps, l'année à Wikini, Karanen, il y a le transfert de gestion. Il y a le promoteur. Il y a des fonds. Il y a à qui faire le transfert de gestion. Je vais vous poser la question. Il y a des copropriétaires qui ont la gestion du promoteur. C'est le texte, je dis. Il y a à la demande, mais il ne sait pas la demande. À la demande, il y a la gestion transitoire. Après les deux ans, il y a à la demande. Des copropriétaires. Est-ce que d'abord, si le promoteur est signé, c'est bon, la gestion, donc il peut faire, d'ailleurs, il va commencer le transfert de gestion. D'ailleurs, même que la loi qui est plutôt le décret 1499, là, par contre, je vais laisser d'autres questions pour M. Berjiche. Il y a la dernière question concernant M. Mehdi. Mais si la 1104, la gestion, le sort des anciens copropriétés, et le code civil impose la gestion. À défaut, une copropriété, il ne s'organise pas. Le maire, le président de l'Assemblée populaire communale, la copropriété, il peut, à défaut, les copropriétaires, ils n'arrivent pas à l'Assemblée générale, à placer un administrateur, le maire. Il peut désigner un administrateur pour gérer cette copropriété. Donc, le Code civil de 1975, tout la copropriété, elle démarre dans une copropriété X1 de l'eau. Donc, Zmerin a placé un administrateur. Il n'est que maintenant, vous avez tout à l'heure, M. Berjiche, soit un administrateur professionnel, un administrateur professionnel, un administrateur bénévole. D'ailleurs, selon la dimension de la copropriété. Les petites copropriétés, faire appel à un administrateur professionnel, mais les grandes copropriétés, toujours l'idéal, même les copropriétaires seront fixés direct vers un administrateur professionnel pour mieux gérer, parce qu'on aura les avantages et les inconvénients. Merci beaucoup. C'est réglé ? Merdiche. Essaye. En cas de conflit entre les acquéreurs et le promoteur, les acquéreurs, le canon ont le droit pour qu'ils mettent fin à la gestion donc du promoteur. S'il est en place, s'il est en poste, il n'est pas satisfaisant.
Donc il y a quand même une logique. Quand on ne va pas quand même... mais là par exemple on constate les missions ici tout est abandonné, tout est mal géré, ceci cela, donc à partir de là ils peuvent s'organiser, ils constituent un noyau, ils saisissent par écrit ce promoteur, conformément aux dispositions du 1499 nous mettons fin à votre disposition, donc préparez-vous à transférer la gestion unique aux organes issus par nous, nous les acquéreurs. Parce que avant et après tout, ce n'est ni le promoteur ni l'administrateur mais bien sûr couché dans une certaine logique. Non, là, mais là vraiment qui m'en colle, on constate vraiment un délaissement total, je ne sais pas quel est, donc une dégradation totale. Et le cas, on s'organise au lieu de se faire à ce moment-là, avec les deux ans, à se faire bien avant, c'est-à-dire qu'il m'a dit, même les élections, tu vas me dire, des élections qui ne sont pas anticipées, on anticipe les choses parce que mais blanc entre le promoteur, il ne faut pas qu'entre dans le promoteur. Parce que quand même, bon, parfois les acquéreurs, peut-être par manque de communication, par ceci, cela, entre le promoteur, par quoi qu'est-ce qu'il y a, des fois, on se relate les acquéreurs, des fois, on se relate les promoteurs. Donc, il a besoin de dire, pour tirer au clair. Tu as une autre question aussi. Une autre question concernant, est-ce que la vente à Tsouhsem, à partir est-ce qu'on compte la période de transition à partir d'une vente officieuse ou bien d'une vente officielle? C'est-à-dire en réalité la vente. On fait une pause, on s'excuse, on va faire une petite pause, 5 minutes et on va clôturer, Inch'Allah. Tu vas aller à l'électricité, on a répondu. Parce que surtout, il y a l'Hassayé, le groupe. Parler davantage, exposer davantage, mais malheureusement, il y a une contrainte technique qui fait qu'on ne peut pas aller au-delà de ça. En tous les cas, à l'intérieur de l'association, on a pris conscience des incohérences qui existent à l'intérieur de la loi 1104. Mais surtout concernant la gestion de la copropriété, j'espère que nous allons travailler ensemble. Nous sommes disponibles à travailler ensemble pour pouvoir éclairer davantage et apporter des solutions à des problèmes réels. Merci beaucoup. Et nous nous excusons par rapport à ce problème technique. Atikoum Saha, M'lech, 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 M'lech,